Vous pouvez cliquer sur le lien, vous irez sur ma chaîne YouTube. Vous verrez que depuis plus de 10 ans, je partage les vidéos. Pour ceux qui apprennent à me connaître et tout, certains sur Facebook vont me dire, ouais, elle filme tout et tout et tout. Ben non, moi j'ai toujours partagé des vidéos. Je suis la première d'ailleurs à partager des vidéos de cuisine, des vidéos de chez elle, des vidéos de comment ranger sa cuisine, des vidéos des vidéos de tout. Même les premiers clashs là, quand on clashait et tout. Moi je filmais tout, je filmais même mes toilettes, hein, pour montrer à ses filles. Il dit que regarde mes toilettes, même mes toilettes c'est blanc. Même mes toilettes sont blanches. Je pose mon sion sur un bidet blanc. Hein? Pour m'entoler les personnes dégoûtantes comme toi, hein? Pour m'entoler les grosses merdes comme toi, oui, moi je faisais ça, moi je faisais ça, je faisais ça. Les gens parlent à l'époque là, c'était le clash, et c'était avec clash. Hein? Bon, ces filles là maintenant elles ont fait un faux profil. Sont dans leur fantasme et tout. Elles veulent montrer qu'elles sont bien alors que elles sont trop plus que moi. Mais à chacune son film ici donc. Mais non, quoi. Ce sont des vrais gars qui ont les dos, qui ont fait les vrais mariages, qui sont propriétaires ici et au Cameroun. Elles sont là sur Facebook, elles ne se montrent pas. Parce qu'elles ont compris. Parce que sur Facebook, tu te montres. C'est fini. Eh oui. La preuve, beaucoup sont là. On me voit assise comme ça en train de manger. Même si on pose mon litchi là, que cotiser pour Coca-Cola, même un franc, ils ne m'ont pas donné. On va cotiser pour qu'elle aille s'asseoir au restaurant, manger et boire une nargue. Oui, maman. Non, t'as mis le mura, mais il y a eu café. Non, sors. Mais si, mais viens, moi je suis en train de manger. Ça fait une heure que t'attends, viens. Encore un an. Peut-être c'est du carbonate. Mais là, ça va être ta gâte. D'accord. Ok, tout à l'heure, alors je suis en direct. Je t'attends. Je suis café du Nord, oui, en face, quand tu sors là, je suis en face. Oui, quand tu sors, je suis en face. Mais tu sors là-bas du Nord. Oui, je suis partie de Stéli. Oui, je suis partie de Stéli, je suis à la gare du Nord. En face, la sortie principale. Oui, quand tu sors, quand on va se prendre la jambe chez le monsieur là, chez d'autres Indiens là. Voilà. On a un Indien ici que tu pars partout quand tu veux récupérer plus de 1000 euros. Tout le monde refuse. Mais on a notre Indien ici là. Si vous voulez l'Indien là, même si on vous envoie combien, dites-moi. Il donne. Regarde, non. Il y a des choses de plus importantes. Appelez-moi, vous en dites. C'est maintenant là, comment on comprend pas. Ça tombe de côté, on dit. Vous voyez que. La Suisse est bien. La Suisse est quand même sur 100 000 francs suisses, même 100 000 euros. Tu pars, tu demandes. On te dit reviens dans 2 heures.
Tu es parti au matin. Je te dis, reviens à 14h ou à 15h. Tu arrives, pam, 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 on compte ton argent, on te donne. Mais ici en France, tu as ton argent dans ton compte. Pour récupérer, c'est le problème. C'est pour ça que Bissot Bidjo, il est payé quand même. À vie, je vais regretter. Tu vas où non? On ne voit pas. Ah mais je ne suis pas content. Vous faites quoi? Vous êtes où? Bah moi je suis là, bah j'ai pas voyagé aujourd'hui, donc du coup je suis sur Paris. Mes amis de la Coco Gang là, je suis à la gare du Nord. Si vous voulez passer pour qu'on boive un verre, on boit un verre. Voilà. Et il y a les gens qui n'aiment pas me voir, enjoy. Voilà. On me fait en me disant que ouais, on va m'empoisonner. On me fait du mal, tout ça, machin, tout le monde, blablabla. Juste pour que je reste dans mon coin et qu'ils continuent de propager les fantasmes, genre je souffre, je suis dans la merde, que je ne peux même pas manger, que je dors sous les ponts à Paris. Ils vont vous expliquer, quand on dit SDF à Paris, là, c'est les garçons. Et quels garçons, même, c'est les garçons que, par exemple, les Tamouls, les Nigériens ou bien les Ukrainiens, comme il y a la guerre chez eux. Vous n'allez jamais voir une fille SDF. Parce que je ne sais même pas la définition de SDF qu'on vous a donné. Vous les têtes percées, hein? Vous les cancres, les abrutis, vos cervelles de moineaux fusionnés aux crottes de chiens et de chiennes que vous êtes. On vous a donné vraiment la véritable explication de SDF. Vous ne connaissez rien, mais vous venez insulter, pondez seulement les Égyptiens juste pour pondre. Une fille comme moi peut dormir à la rue, je peux être en domicile bien sans avoir une adresse. J'ai une adresse quelque part, mais je ne montre pas à ceux qui me connaissent parce que je suis déjà prêtée, je suis déjà prête. Dans ma tête, je sais déjà qu'ils vont me faire un sale coup. Donc je suis domicilée, j'ai un vieux blanc quelque part, que quand tu penses que je suis déjà fini là, mon vieux blanc là, il est là pour moi. Mais ne vous montre pas, parce que vous allez gâter. Si on a les problèmes, la première des choses que vous allez chercher, c'est appeler le vieux blanc. Même pour gâter. Mais je vous connais. J'ai expérimenté. Quand vous connaissez, mieux vous dites que je n'ai pas un nom, je n'ai rien là. Oui. Mais la vie, c'est quand vous vivez, faites attention. Moi je mange comme ça, hein. Un tout petit peu. Mais en ce moment, je mange beaucoup de viande. Et de poisson, c'est ce qu'on m'a demandé de manger à l'hôpital. Je mange des viandes crues. Il y a beaucoup plus de vitamines. Coucou ma Lydienne, ma princesse, tu vas bien, petite soeur chérie? Je t'appelle après, je dois aller chercher Ange, mais il n'y a pas de train. Du coup, ça m'a cassé mon programme là, je ne suis pas bien. Je n'aime pas. J'avais déjà programmé mon truc, j'étais prête psychologiquement et tout, et puis maintenant c'est pas ça, donc du coup ça m'énerve. Alors je vais vous expliquer quelque chose parce qu'il y a des cons qui ne comprennent pas. Bonjour. Une autre personne dit ouais, t'es pas parti, tu partiras demain. Mais non, c'est pas ça. C'est que dans ton cerveau, psychologiquement, tu t'étais fait ton plan. Voilà. Tu sais que là, 15h, on va manger.
16h, on va au pain. 17h, on va pas. C'est ça la vie ici en Belgique. Tout est calculé. Donc du coup, s'il y a un petit truc qui vient chambouler là et tout, ça peut ne pas être grave, hein, mais ça peut te déranger jusqu'à... Ça te dérange le feu sort. Bref, nous sommes comme ça ici en Belgique. Même les enfants sont comme ça. Le pays ici, c'est un pays où tu arrives vraiment, tu changes. Hein. Il y a des choses que je pourrais tolérer au Cameroun et des choses que je ne peux pas tolérer ici. C'est comme le Congo, ça. Il y a des gens ici qui vivent toujours comme au pays, toujours à médire des autres. Ils vivent là comme ça, entassés comme au pays, toujours au Congo, ça. Mais moi, je supporte, j'attends ça, mais je supporte. Tu as dit, je supporte pas ça. Les vies des gens, l'autre a dit, l'autre a fait, l'autre a machin, et tout. Non, je ne supporte pas. Du coup, certaines personnes peuvent me trouver bizarre, mais c'est comme ça. Je suis allergique à ça. Là, je n'ai pas fait mon voyage comme je voulais faire aujourd'hui et tout. Donc, je ne suis pas contente du tout. Je ne suis pas bien. Parce que j'aime pas. J'aime quand mes choses sont bien tracées, bien. Je vais vous dire, les coins, comme à la gare du Nord, comme ça, à la gare de l'Est, quand vous venez, vous pouvez même rencontrer les ministres congolais, ivoiriens, tout ça là. Parce que c'est le point où les tontons, là, quand ils sont à Paris, des fois, ils viennent, ils s'asseyent dans les cafés comme ça, pour attendre les membres de la famille, ou les gens. Ouais. C'est bien. Ça s'en passe. Les gens de la famille et tout, hein, comme ça. Qui arrivent, qui viennent les chercher, ou quelque chose. Hein. Donc, des fois, dans les cafés qui sont en face de la gare du Nord, gare de l'Est, tout ça à Paris, par là, c'est autre, vous vous rencontrez. Vous rencontrez les gens. Comme ceci-là. Quand tu vois le tonton qui sort aussi là, tu sens que c'est un capot. Le monsieur qu'ils ont venu chercher là, c'est un congolais. Voilà. Si tu tapes bien, tu vas voir que tu as une. Les gens qui viennent de sortir, tu sens que c'est les capots chez eux. Ils sont venus chercher un autre qui était assis là. Ils sont les papas. Hein? Ils donnent les coups de poing dans les caisses, dans nos caisses là-haut au pays. Là. Bon, on va. Mais tu sais quoi? Ils me disent qu'ils ne peuvent pas changer mon billet. Parce que ça n'a pas encore mis que le billet retour, que le plan annulé. Alors que là-bas, ils ont dit qu'avant 17h, il n'y a pas de temps. Il faut que je paye 30 euros. Le gars, il n'a pas la femme au téléphone. Mais Wanda, j'ai refusé. Tu te souviens qu'avant, là, j'aurais payé. J'aurais payé sans même... Je lui ai dit, mais attends, c'est... Donc, c'est comme ça que vous faites l'argent sur les gens. J'ai refusé. Elle me dit de rappeler. Elle va rappeler. Tu veux un coca ou quelque chose? Quand un coca veut aussi, toi? Ça m'a fait. Je vais d'abord payer 1 euro. Ce n'était pas fini. Hein. Prends le ricard. Merde. Prends le ricard. Ça te fait du bien. Tu veux l'alcool? Oui, ricard. Non. Maman. Je vais arriver à la maison. Le coca? Non. Ça doit transpirer. Vous avez un tang, c'est ma petite, elle a vu le thé. Vous avez un tang, c'est comme ça qu'une copine m'a donné le Richter. Il y a peut-être 20 ans en arrière. Moi, je suis mince. Mais il y a un tang que tout le monde boit le thé. Ah, il me dit, oh, le ventre plat, ma chérie, j'ai le ventre plat, c'est déjà mince. Mais voilà un tang, le gros que j'ai aussi pris le Richter. C'est que le thé là m'a fait. Il me roulait par terre. Il a dit à la copine, tu m'as empoisonné. Maman, si elle meurt ici, tu as porté ma famille sur le dos. Alors que c'était le thé. Ah.
Lydienne. Lydienne est là, elle fait coucou. Ouais, un coca, pas. Oui, oui. Un coca, s'il vous plaît. Il arrive. Coca avec du citron. Ça a l'air bon, ça. Bon appétit, monsieur. Pardon? Bon appétit, ça a l'air bon. Merci, hein. Monsieur, oui. C'est quoi? C'est des pommes au four et... L'agneau. Et l'agneau. Le plat du jour. Le plat du jour, ouais. Mais ça a l'air bon. Donc, comment elle vient ici, c'est mon classique. Parce que là, elle sait que ce ne serait pas des choses. Pourquoi un coquin pan? Les gens là m'ont déjà cassé mon programme aussi. S'il vous plaît, un coca avec beaucoup de citron. Ça m'énerve la tête, ça m'énerve juste. J'avais déjà mon programme. Ça me tourne même le ventre. Comme tu n'es pas... Oui, je sais. Coucou, Véronique. Vous qui voulez venir en Bénin, sachez qu'en Bénin, on a beaucoup de problèmes. Au Cameroun, quand tu regardes ton voyage comme ça, ça ne te dit rien. Tu vas au quartier, tu vas au des biens, tu es tranquille et tout. Mais ici en Bénin... Merci. Ici en Bengue, ça t'a déjà cassé, ça t'a déjà dérangé. Où je suis là, je suis dérangé. Ça m'a déjà dérangé. Ça, j'ai relancé au direct. Voilà. On a commandé un coca? Oui. Hein? Vous avez fini? Oui, j'ai fini. Vous avez dit autre chose? Non, non, ça va, merci. Ça va? Un coca pour ma petite soeur. Un coca? Avec beaucoup de citron. Beaucoup de citron. Bon, mais Jean, vous me dites quoi? Bon, certains vont dire que je porte le renard si tout le temps. Mais le renard, c'est comme si elle met une chemise ou un t-shirt en bas. Je le pose en haut, ça me tient chaud. Le plus important, c'est tenir chaud. Voilà. Les villageois du Cameroun, là, ont venu m'insulter que je porte le même habit tous les jours. Une jacket. Un peu de renard. Ça, là, ce n'est pas un renard, c'est plusieurs renards. Et on a trempé la peau, on a repassé, on a fait le brushing, c'est pour la dame. On a fait le brushing et tout, on a recrampé, on a mis dans le casque, on a mis les bigoudis avant que vous voyez que ça se pose bien comme ça. Et l'autre villageoise comme celle qui est venue, elle était de revenir. Reviens, on va te laver parce que vous aimez entendre que vous cherchez pour une chose. Parce que nous, maman, la coco gang, là, on s'ennuie. Hein. Comme nous, on ne parle pas sur les pages gossip pour insulter les gens, les autres commandants, on vous attend ici à domicile. Vous venez à domicile, là, on vous tape. Avec la bouche. Voilà, si Capi, même, elle n'a que la bouche, là, on tape, on donne les coups de poing, on fait le hé, hé, pas encore. Tiens, viens, tiens, viens, viens. Ça là au tribunal, quand le juge va voir ça, il va demander, mais attends, tu te crois dans la forêt ici ou quoi? Oui, parce que le 5 jours qui fait 30 ans, il faut que le chien parle. Vous avez déjà vu le reportage où le chimpanzé vous montre qu'il le voit de la forêt. C'est ce que celle-là a fait le jour là, elle est sur moi. Voilà, et tiens, avec une main.
Eh, tiens, ma chère Paul, et son fils de 20 ans, il. Vous vous rendez compte? Un enfant qui va avoir les problèmes dans son casier judiciaire. Un enfant normal aurait dit que non. Parce qu'il sait que c'est interdit. Mais bon, comme ce sont des enfants qui sont coupés du monde, qui sont élevés par une meuf comme ça, il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte que ça va lui causer des problèmes en France. Il est français, mais ça va lui causer des problèmes. Méfiez-vous, hein, aux actes que vous posez devant vos enfants. Et tout. Oui, mais vous m'apportez en même temps. Oui, mais gens. Voilà, voilà, nous sommes à la gare du Nord. Il y a des gens qui donnent souvent des rendez-vous. Ils disent où tu en viens te couper. Ça fait une heure que je suis ici. J'ai passé 3 heures à Austerlitz. Maintenant, je suis à la gare du Nord depuis 1 heure. Paris. Même si tu es où, tu as déjà pris le métro pour m'attendre. Je suis à la gare du Nord. Et tout. Mais je ne vois personne. Donc, vous tapez seulement la bouche sur les réseaux sociaux là. Je te dis, mon rendez-vous d'aujourd'hui là, je savais. Si j'ai appelé, mais bon, elle avait programmé autre chose. Il y a une journée comme ça, en fait, ça me fait 2 rendez-vous. Perdu aujourd'hui là. Il y a une journée comme ça, hein. Tu peux voir quelque chose et puis tout. Tout est annulé. Les gens de Soukadaji qui donnent l'argent aux femmes ici. C'est lui qui mange à côté là. Tu as venu. Les villageoises sont sur Facebook en train de chuter. Alors que nous on est dehors, en un temps record, un clin d'œil, un truc, un mot, un geste et tout, ta vie peut changer. Vous allez insulter, vous allez insulter les gens que vous ne connaissez pas. Alors, en haut, on voit les gens connectés via vidéo et tout. Vous allez dire quoi? Bon, les filles, allez travailler, hein. Sors la viande du congélateur ou le poisson, tu peux pas pour ton chéri qui va rentrer le soir. Laisse un peu le Congo, ça sur Facebook, ça donne et... Moi, je suis là, j'ai mes bidoudous. Peut-être elle va aller faire un peu de shopping, ça va me faire du bien. Ouais, on fait l'addition et puis on va. S'il vous plaît, l'addition. L'addition, oui. Paye, on part. Pas de. Voilà. Oh Rachid, ton fils va bien. Je partais comme ça le chercher, mais tu sais, depuis une semaine sur Paris, il y a les grèves et tout. Et là, à peine ça reprend, c'est plus les grèves. Maintenant, c'est quelqu'un qui est tombé sur les rails. J'ai tapé sur le pas de... tomber sur les rails, maintenant il n'y a pas de train. Ça peut durer 24 heures comme ça, là on n'a pas de train, on n'a rien. Merci. Oh non. Oh ma chérie. Oh non. Oh là là, je suis contente qu'on allait avoir un bébé. Oh Asya, ma soeur, Asya. Ouais. Faut prier. Oui, puis maman Marie. Ouais, Asya. Je vais t'envoyer des prières. Écris-moi sur WhatsApp, je vais t'envoyer des prières. Tu sais, ce que tu as eu là, j'ai eu ça. Hein. En 2014, j'ai fait une fausse couche. Et j'étais vraiment mal. En 2014. J'ai fait une fausse couche. Je reviens du Cameroun, traumatisé et tout et tout. Et puis, je rencontre le père de mon fils. Et puis, j'avais tellement envie d'avoir un enfant. En 2014, je suis tombée enceinte, mais j'ai fait une fausse couche. Sans le montrer et tout, certes, on m'insultait, hein, parce que j'étais déjà en guerre avec certaines de mes compatriotes.
Elles m'ont insulté avec ça, elles m'ont fait des stériles, de tout et tout et tout. J'étais mal. Mais je ne voulais pas le montrer. Je me suis mise en prière. J'ai prié. Il y a des prières. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a repris ton bébé. Mais sache qu'il va te renvoyer un autre. Il va te renvoyer un autre. D'ici quelques mois, il va te renvoyer un autre. Parce que celui-là, s'il est parti, ça veut dire que il devait avoir un petit souci de santé, un problème au niveau du cœur, un souci quelque part. Voilà. C'est pour ça qu'il est parti. C'est pour ça que le Seigneur a préféré te le reprendre. Mets-toi en prière, ma soeur chérie. Et le Seigneur, il va t'envoyer un magnifique bébé, un garçon ou une fille, en santé, avec des bons poumons, un bon cœur, avec tous les organes qui seront à même de supporter son existence sur terre. Voilà. Donc ne pleure pas trop, parce que tout ce que Dieu fait, bon, tu as vu, moi, en 2014, j'ai fait cette fausse couche-là, et puis après, je me suis mise en prière. Je suis partie à Lourdes, j'ai demandé à un garçon, tu te souviens, non, amie? J'ai prié, j'ai dit à Dieu, j'ai dit à la Vierge Marie que je veux un garçon et je vais avoir ce garçon et je vais l'appeler Ange. Tu veux les jumeaux? Ben, mets-toi déjà dans la tête que tu as les jumeaux. Donc, quand tu seras prête à aller faire même du shopping, tu entres dans un magasin qui vend les choses pour bébé, tu m'achètes deux paires de chaussons. Et tu te déposes à l'entrée de chez toi ou quand tu es à la maison, tu vois deux paires de chaussons ou deux quelque chose pour les jumeaux. Donc tous les jours, tu t'imprègnes de cette image-là. Tu te mets déjà dans ton cerveau, tu enregistres dans ton subconscient que tu as les jumeaux et tu les auras, ma chérie. Moi, j'ai prophétisé, moi j'ai dit j'ai un garçon et je vais l'appeler Ange. Et je te jure que quelques mois après, et même... C'est ça que j'ai dit, les gynécologues ici, ils te disent que ouais, tu as passé 40 ans, tu ne peux plus faire d'enfants, tes ovocytes ont fait ci, ça ne peut plus reproduire, pourquoi tu vas accoucher, et tu es tout, blablabla, et tout. On te décourage même à l'hôpital quand tu as passé 40 ans ici en Inde. Oui, on te décourage. Ici, même si tu as deux enfants ou trois enfants, tu vas encore partir, que oui, tu veux voir si le banquier, on te décourage. Voilà. Le monsieur, il m'a découragé, mais je suis encore en prière. Donc, on va dire que j'étais chez lui au mois d'avril. J'avais fait une fausse couche, on va dire au mois de février, mars. Avril, j'étais chez lui, il m'a découragé. Il a refusé de me prescrire les pilules pour booster mes ovocytes. Oui, oui, il avait refusé. Ouais, soit disant que ouais, j'ai passé 40 ans, je ne peux pas, c'est clos, le scan, c'est monté, c'est descendu. Je me suis mise en prière, ma chérie. Moi, que vous voyez, elle était dans les églises de Jésus, je le dis. Ah non, Seigneur, envoie-moi mon enfant, envoie-moi. Et c'est pour moi que j'ai prié dans les moi, je me conseille quand il prie. Tombe, j'entends même en crainte. Vous parlez de quoi? Et tout. Au mois d'octobre, c'était au mois d'octobre. Oui, au mois d'octobre, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Je me tiens. Aïe, 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 aïe. J'appelle le père de mon fils. Je dis, aïe, j'ai mal au ventre. Il me dit, ah, t'as encore mangé des trucs africains parce que ben, c'est un africain, mais c'est un blanc. Quand t'as encore mangé des choses chez les dit de ne pas prendre des choses africaines là, et tout, tu manges du piment, tout ça, et tu dis, ah toi aussi, laisse-moi, toi tu as un blanc dans la peau, donne-moi et tout, et tout. Moi j'ai grandi avec le piment, tout ça, et tout, machin. Il rentre, il était à rendez-vous d'ailleurs, et tout, il rentre, il me prend, on va aux urgences, et tout, on arrive là-bas, bien évidemment, on veut me faire une radio pour voir, parce que je me tords de douleur, j'ai mal au ventre, au bas ventre. Et tout, on me fait une radio. Et le gynécologue qui m'avait fait une radio et tout, il me met le gel sur le ventre, il passe avec le truc et tout, il repasse encore avec le truc et tout, machin, et tout. Il dit, bah, vous n'avez aucun problème. Il dit, mais comment ça, il n'a aucun problème. Il dit, bah, regardez, il y a un petit rond là. Il tourne comme ça, il dit, vous voyez, et tout, vous êtes enceinte. Ah oui,
Et quand tu vois la radio sur l'écran, c'est un petit rond comme ça, c'est un petit creux et tout. Et il me dit, vous êtes enceinte. On s'est regardé, le père de mon fils et tout, on s'est mis à pleurer. Ah ben oui, parce que c'est quelque chose qu'on attendait tellement, c'est quelque chose que l'autre nous avait découragé, il avait dit comment je ne pouvais pas et tout. Donc ma chérie, ce n'est pas parce que ton gynécologue t'a dit que tu ne peux pas, que tu ne dois pas. Arrête dans ta tête que tu peux. Parce qu'aucune femme n'est stérile ici dehors. Il dit bien aucune. Voilà. Et voilà. Et puis c'est arrivé que je suis enceinte. Et tout. J'ai mené ma grossesse. Et tu dis, bon ma chérie, Rachid, je te passe cette corde de l'accouchement. Tu veux des jumeaux, tu les auras. Tu les auras. Et je vais te dire, déconnecte-toi de Facebook. Parce que Facebook, c'est les tentations. Tu seras tenté à aller mettre ta bouche quelque part. Tu vas juger quelqu'un. Tu vas te mêler de quelque chose qui ne te concerne pas. Déconnecte-toi. Tu pries la Vierge Marie. Tu vis sainement. Tu demandes à maman que tu vois les dons. Je ne sais pas comment ça va venir, mais ça viendra et tu auras tes jumeaux. Déconnecte-toi, tu ne mets ta bouche dans rien. Pendant 6 mois, les gens pensent même que tu es mort ou bien quelque chose. Et tu, même si tu lis, tu ne mets pas A ou B. Mets seulement les prières sur ton mur. Attends, même tu ne mets rien, ne te mêle de rien. Quand tu appelles même pour le Congo, ça, tu dis que, hé, hey, excuse-moi. Ça dit, ne te mêle de rien, tu ne bouges pas, tu ne voyages pas, tu es sur place. Tu fais tes prières. Tu t'enfermes, tu te fais une petite bulle à toi, dans ta bulle, tu te construis déjà, tu fais dans la chambre de tes enfants, les jumeaux, tu commences à acheter comme tu là. Si c'est les langes, tu prends 2 langes. Si c'est les chaussons, tu prends 2 chaussons. Si c'est les brassières, tu prends 2 brassières. Il faut lire les bouquins des psychanalystes. Donc tu te mets derrière la tête que tu as tes jumeaux, c'est ce que tu veux. Et tu vas les avoir, ma soeur chérie. Tu les auras. Parce que dans la vie, quand tu veux, tu peux. Voilà. Donc vraiment, ne pleure plus, essuie tes larmes et fais comme je te dis. Dès demain, tu m'achètes 2 paires de chaussons. Pose même sur la moi ou même devant la télé. Comme ça, quand tu passes, tu vois, c'est posé là, les chaussons. C'est les enfants que tu fais entrer dans ta vie comme ça. C'est des choses simples, mais c'est des choses vraies. C'est des choses vraiment qui existent et qui se transforment en miracles dans nos vies. Moi, que tu vois, si le jour que je te raconter mon histoire, tu as posé les mots sur la tête. C'est ça, quand elle doit aller prendre mon enfant comme ça, même si elle perd seulement 24, même si c'est une demi-journée, ça m'énerve parce qu'en une demi-journée, on aurait pu faire beaucoup de choses. Voilà. Donc je vous embrasse, hein. Nous on va partir. Après, on va acheter au bonbon à préparer. Ça va me déstresser parce que voilà un bengalore, c'est un petit truc comme ça qui déstresse. Donc vous qui passez votre temps à nous mentir au Cameroun, sachez que quand vous mentons, c'est que vous mentez, du coup ça nous rend malade ici. Vous voyez, le fait seulement que j'ai raté mon plan là, je suis stressé, j'ai le ventre ballonné comme ça, il peut même tomber là et me retrouver comme ça aux urgences, le stress. Donc je vous embrasse, hein, Rachid, écris-moi ma soeur chérie, je vous embrasse, hein, bonne fin d'après-midi, bisous, ciao, ciao, I love you, God bless you.